Et salut les monstres, c'est Kiyomarek, on se retrouve sur The Witcher Wild Hunt le 3 et c'est reparti pour une longue série. Donc cette fois-ci, on va faire des épisodes beaucoup plus longs parce que c'est vrai que vous l'avez demandé, les épisodes sont très courts, on n'a pas le temps de voir vraiment toute l'intrigue. Ça, on va essayer de passer. On peut pas ? Gérald arrive au village de Blanchefleur. Il a réussi. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. On l'a retrouvé, on s'en fout. Avec l'aide du commandant de garnison impériale. Ah bah voilà. Monsieur magnifique. S'adressera à l'empereur uniquement si celui-ci lui parle et en utilisant le titre approprié. Ok. Voilà, votre archi-magnificence. Je vois que monsieur est d'humeur badine, mais je crains que sa majesté ne soit pas dans les mêmes dispositions. Votre majesté suffira amplement. Prononcez d'une voix forte et intelligible. Avec respect. Voilà, donc on en était à ce fameux passage où on allait rencontrer enfin l'empereur Nilfgaardien, si je me souviens bien. Donc on va aller le voir, on va aller voir ce que ça donnait. On s'était bien marré avec la révérence, et ben maintenant on va se marrer avec l'empereur. Oh, c'est Zuli. Loïr en Artfein. Ils ont vraiment des... Je peux faire le con, monsieur? Non, j'ai pas le droit. Ok, j'ai pas le droit. Imgrimi ep Arderser Des Winadan incarn ep Morvud Emir Var Emreis. Révérence. Ne pas faire la révérence. Votre Majesté impériale. Arerep to Horde. Evelien Namin Badgel Babot. On ne s'incline pas devant les mecs comme ça, nous. Tous ces mois passés la cour de Foltest et vous ne maîtrisez toujours pas les rudiments de l'étiquette? Vous connaissez le dicton. Ce n'est pas un vieux loup qu'on apprend à faire la grimace. J'imagine que vous ne m'avez pas fait venir ici pour parler du bon vieux temps. Alors Silence. Ma fille, Cyrilla. Elle est revenue, et elle est en danger. La chasse sauvage est à ses trousses. Retrouvez-la, et ramenez-la-moi. Combien d'hommes compte votre armée? 20 000? 30 000? Pourquoi faire appel à moi? Vous le savez très bien, parce qu'elle vous fait confiance. Elle me fait confiance, c'est vrai. Alors, dites-moi pourquoi vous tenez tant à la retrouver. Pas pour rattraper le temps perdu, j'imagine. Aux raisons d'État, comme toujours. Ne perdons pas notre temps, vous allez accepter de toute façon. Ne serait-ce que pour l'or que vous rapportera cette mission. Bien plus que le tarif habituel d'un de vos contrats, soyez-en sûrs. J'ai besoin d'informations, pas de motivation. Ciri sait cacher ses traces. Elle ne sera pas facile à trouver. Mes espions vous aideront. Vous pouvez compter sur eux, ainsi que sur mon armée au besoin. Yennefer vous dira le reste. L'audience est terminée. Mereryd. Conduisez-le à la magicienne. Ça a l'air intéressant tout ça. Monsieur n'a-t-il donc pas compris? N'ai-je pas suffisamment insisté sur l'importance de la révérence? Calmez-vous, tout va bien. Pour monsieur peut-être, mais moi je vais être puni. Comment ça? Je vous en prie, suivez-moi et n'avez pas d'histoire. Vous m'avez attiré assez d'ennui pour aujourd'hui. Les limites passent. Silence. Savez-vous qui je suis, soldat? Je suis Erevar II, prince des Landers.
piscine est pas un autre bad, c'est un peu insupportable. Anin. Ratslinet. Aïnet. Zahir S. Thomas. Adanin Karn Evelyn. Sid Av 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 Sid. Essayons de rêver, mais qu'est-ce Heureusement qu'on comprend leur langage à la rigueur, hein. Putain. Enfin, il faut vraiment que je regarde ce qu'ils disent pour le comprendre. Si le monsieur aura terminé, je me chargerai de lui remettre ses affaires. La plume est bien affûtée. Allez-y, notez. Ce n'est ni la guilde des marchands, ni le conseil municipal qui contrôle. Ah, Yennefer. Gérald, tu es magnifique dans cette tunique. J'ai surtout hâte de l'enlever, oui. Ah, en d'autres circonstances, j'aurais sauté sur l'occasion. Mais nous avons des problèmes plus urgents. Tu comprends maintenant pourquoi je suis venue à la cour d'Émir? Et nous voilà dans la même galère à présent. C'est vrai que Ciri est revenu. Émir ne se trompe pas. Regarde, c'est son portrait, d'après les descriptions de nos agents. Notre petite sorceleuse est devenue une belle jeune femme. Nos agents? Tu t'es bien adapté à ce que je vois. Oh, Gérald, ne joue pas sur les mots. Je sais qui est Émir. C'est lui qui est à l'origine de cette guerre. J'ai perdu de nombreux amis par sa faute. Mais je n'ai pas d'autre choix. Épargne-moi tes reproches et concentrons-nous sur Ciri, tu veux bien? Oui. Émir pense qu'elle est poursuivie par la chasse sauvage. Hier encore, j'aurais eu du mal à le croire, mais depuis... Comment nous ont-ils retrouvés? C'est ma faute. Je cherche Ciri depuis des mois, tu comprends. Sort de localisation, divination, géomancie, j'ai tout essayé. Je savais que je risquais d'attirer l'attention de la chasse sauvage, mais... Je pensais être plus maligne que... Tu avais tort, on dirait. Oui. Je sens leur présence depuis un moment déjà. Sans toi et les soldats d'Émir, je ne serais pas là à l'heure qu'il est. Je ne peux pas continuer à utiliser la magie. Le risque est trop grand. Il est temps de me tourner vers des méthodes plus traditionnelles. Et vers le meilleur pisteur que je connaisse. Retrouve-la, Gérald. Retrouve-la avant la chasse sauvage. Où Ciri a-t-elle été aperçue exactement? À Vélène et à Novigrad. La piste de Vélène est la plus prometteuse. Je te conseille de commencer par là, d'ailleurs. Rends-toi à l'auberge de la Croisée des Chemins et demande un certain Hendrik. C'est un homme de l'Empereur. Quoi, c'est tout? Pas de mot de passe, pas de poignée de main secrète? Rien de tout ça. Désolée de briser tes rêves d'enfant, mais la vie d'espion n'a rien de trépidant. À Novigrad, nous n'avons que des rumeurs, rien de concret. Mais tu pourras compter sur l'aide de notre amie commune. Triss Merigold. Apparemment, elle est installée dans une belle maison, sur la Grand Place. Oh, elle sera ravie de me voir, j'en suis sûr. Et toi, que vas-tu faire? Je pars bientôt pour Skellige. Une explosion magique y a rasé la moitié d'une forêt. Et j'ai des raisons de croire que Ciri est mêlée à cette affaire. Rejoins-moi là-bas une fois que tu en sauras un peu plus. Je t'attendrai à Kertrold. On va encore devoir se séparer, si je comprends bien. Ça ne me plaît pas, mais... Le temps presse, c'est vrai. En effet. Le mieux serait que je te téléporte à Vélène. Qu'en dis-tu? Pas question. Je vais faire le voyage à cheval. Dès que je me serai changé. Comme tu voudras. Cela dit, le velours noir te va à ravir, tu sais. Vraiment? Je vais peut-être emporter par-dessus mon armure, alors. Bonne chance, Yen. À toi aussi. Et si tu veux savoir ce qui s'est passé dans le vaste monde pendant que tu courais la lande avec les émirs, va voir l'ambassadeur Var-Atr. C'est lui, là-bas. Gérald, je sais que c'est la guerre, mais... Ne joue pas les héros, d'accord ?
Fais ce que tu as à faire et rejoins-moi. En un seul morceau. Je t'attendrai. C'est trop mignon! Bon bah allez. On a du pain sur la planche, je pense. Énormément de choses à faire. What? Ouais, d'accord, ok. Pourquoi pas? Il y a des trucs ici. On va... Ah merde, j'ai pas d'inventaire, fais chisse. Voilà. Un Védémi, tout droit sorti des contes nordiens. Oh, je peux lui parler, franchement ça m'intéresse pas vraiment de savoir ce qui se passe. On va vraiment se concentrer sur la quête. Allez, c'est parti. Monsieur, comment puis-je vous servir? En me rendant mes affaires. Agrumes et clous de girofle. Les habits de monsieur conserveront leur fraîcheur plus longtemps. Merci. La patience de l'empereur a des limites. Il veut retrouver sa fille, saine et sauve, et aussi vite que possible. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Adieu. La ouais. Civilisation s'arrête aux limites de son corps. Oula, c'était quoi? Quête terminée, audience impériale, oui, machin. Blablabla, l'audience truc. Hein, tu sais ce que je lui dis, moi, à l'empereur. Équipons-nous. Voilà, et l'arbalète. Ah, qu'est-ce qu'on est mieux comme ça. Tellement plus la classe. Alors, lire. Ça ne donne rien de spécial, en fait, de les lire. Ouais. Ça ne donne rien de spécial. Au pire, je les revendrai. Ça a l'air de coûter un petit peu. Pendant que j'y pense, c'est vrai qu'on l'a pas fait. On a des points de compétences à dépenser. Placez les mutagènes dans les emplacements adaptés afin d'augmenter les statistiques de votre personnage avec un. Ah bon? Je fais les mutagènes moi? Il est où le mutagène? Ok! Sélectionnez le mutagène. Comment on fait ça? Voilà. Choisissez un mutagène placé dans le placement indiqué. Plus 50 de vitalité? Ah bah oui! Ah bah oui! Une fois activé, les mutagènes vous confèrent des bonus affectant les statistiques de votre personnage. C'est magnifique tout ça! Les mutagènes et les compétences ont une couleur propre. Si vous placez un mutagène près d'un groupe de compétences dont au moins une a la même couleur que lui, il procurera un bonus supérieur. Ah ouais, ça a l'air sympathique tout ça. Si une compétence n'a pas la même couleur que le mutagène dans son groupe, elle n'augmente pas de bonus forcément. Les autres compétences du groupe dont la couleur correspond à celle du mutagène augmentent néanmoins le bonus. Ok, d'accord. Ouais, donc le mutagène il augmente, ça, ses pouvoirs augmentent en fonction du nombre de compétences qui sont dans le truc. Ok, ça a l'air vraiment pas mal. Ouais, bah ça m'a l'air assez assez complet quoi. Alors là on devait quand même faire quelque chose de sympa. Donc là je sais plus c'était quoi. Détermination, vous perdez 20% de règne en moins lorsque vous subissez les dégâts. Ça non, ça m'intéresse pas trop. Je pense qu'on va partir sur les attaques rapides. Parce que ça va être très très puissant. Voilà, on va acquérir la compétence. Et on va l'activer. Voilà, et je pense qu'on va même l'améliorer. Ce qui serait beaucoup mieux. Par contre, on va aller voir. Mais je pense qu'il n'y a pas tellement de trucs. C'est quoi? Permet de préparer et de boire des potions de sorceleur. Préparation d'huile. Augmente 1% le seuil de surdose. Ah, il y a des trucs pas mal. Hein. Ah, des trucs super sympas.
Il faut vraiment bien placer ses points parce qu'apparemment on peut aller très loin au niveau des points, mais apparemment il y a d'énormes. Ouaiaiaï. Oh la vache. Ça a l'air vraiment sympa. Donc franchement, il faut que je fasse attention où je vais mettre mes points de compétence. Hein. Bon là, pour l'instant, je pense que ça va être pour le combat brut, surtout. Tiens, il y a une quête là-bas. J'ai entendu parler de la brigade Briette. Elle était composée de ce. Ah, ça, c'est. Les non-humains. Ouais. Ah merde, c'est pas ça. Non, je veux pas. Non. Ah merde. Je ne dirais pas non à une petite partie de carte. C'est une quête, j'ai fait le con. Les joueurs de Gwyn visent leur propre jeu. Ok, d'accord. Bon, de toute façon, j'ai rien de plus. Hein. Ok. Ok. Ok, donc là je peux mettre. D'accord. À présent, vous pouvez quitter le créateur de jeu en appuyant sur B. Je vais abandonner la partie. C'est pas grave. C'est pas trop grave, de toute façon, on va pas s'attarder là-dessus. Garen Vagger. Étant donné que. Le plus important là pour l'instant, c'est vraiment d'aller jusqu'à un truc. Alors. Là, on a le voyage rapide. Comment on fait pour aller à la carte du monde, s'il vous plaît? Voilà. Et je dois me rendre. Dans Velen. L'arbre du pendu. Oh là là, ça a l'air méga grand. Ouais, non, ça a l'air méga grand ici. Oh putain. Oh là là. Mais je vais me perdre, moi. Et c'est où, Velen? Vous êtes sûr que je dois me rendre ici, moi? Geralt retrouva Yennefer et le sourire. Mais un événement capital attendait le sorceleur à Vizima. Il apprit que Cyrilla, sa pupille, était de retour de son long périple, et qu'elle courait un grand danger. Geralt se lança donc à la recherche de Ciri, sur ordre de l'Empereur et injonction de Yennefer. On va être dans la marde. Je me demande bien jusqu'où on va pouvoir aller avec ça. Que là, cette intrigue elle est vraiment sympa, mais on sait pas où est parti Ciri exactement. C'est ça qui me choque un peu. On a pas la suite de l'histoire, je pense qu'on saura ça après. Nord de Temeria, 5 jours plus tard. Putain, déjà, Yennefer a été un petit peu plus rapide. Hein. Voilà pourquoi c'est l'arbre du pendu. C'est mignon tout plein. Et moi j'ai toujours mon super trophée. Allez, en avant. Qu'est-ce qu'on a là? Ralentissons l'allure. Des goules ou des loups? Ça a l'air d'être plutôt des chiens errants. Hein. Ah, c'est gore. Il y a des macabées partout. Ah, putain, je vais passer par là. Ah non, même pas.
Un panneau d'affichage. On va quand même essayer de faire un petit peu de mission aussi. Alors, cherche guild. J'ai besoin d'un homme pouvant nous aider, moi et ma famille, pour traverser le pontard. Nous sommes 5 en tout, moi, ma femme, 3 enfants. Le petit coin sont calmes, pas les gens à pleurer ou à crier. Les petits sont calmes, pardon. Ils ne révéleront pas notre présence. Je ne suis pas riche, mais je vous donnerai tout ce que j'ai en fait. Je suis prêt à tout, même à m'endetter ou à me mettre au service de quelqu'un tant que me permet de quitter Velen. Je vous en prie, répondez à mon appel. Oula, ça va vite, hein. Les âmes tourmentées, les âmes qui n'ont pas trouvé le repos après la mort, les fantômes affamés, effrayés. Une veillée. Ben. Ok, ça je comprends pas du tout. Brave Jean. Ayez pitié, écoutez ma supplique. C'est ma femme Anna, elle a disparu il y a quelques jours. On va prendre celle-là. Si vous voyez dans les bois. Tournez les talons, même si votre sommet est famine. Et on va voir ça. Alors, les forêts denses et les marais brumeux du monde foisonnent de choses intéressantes. Chaque fois que vous consultez un panneau d'affichage, les marqueurs de point d'interrogation apparaissent sur votre carte pour indiquer les sites potentiellement intéressants. Faites un détour par ces endroits pour découvrir les secrets. Voyons voir. Carte du monde. Il y a effectivement des points intéressants. Mon objectif est... Alors ça c'est quoi ça? Ça à mon avis c'est un village abandonné. Je vais aller voir par là. Voilà. On va aller par là. On va un petit peu explorer parce que c'est un peu ça aussi le jeu. Je sais que certains auraient bien aimé qu'on poursuive le truc. Mais on va essayer de voir un petit peu ce que c'est que le vrai métier de sorceleur. On n'a pas trop le choix. C'est la vie qui veut ça. Allez, on va aller voir. Ah oui, là, on a des chiens sauvages. On va se faire. Oh, c'est bon. Sale bête. Hop là. Les pauvres toutous. Allez, on ramasse tout. Ils font quand même mal hein, ces bestioles. Allez, Ablette. Pas loin du site que je devais voir. Wow, c'est une tempête là ou quoi? Tout doux maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Des goules? Oh merde! Oh la vache! Oh j'ai failli faire une connerie. Et eh ben j'ai glissé jusqu'en bas, voilà. Ça m'apprendra. Non, je crois qu'il vaut mieux prendre l'épée en argent. C'est quoi ces bestioles? Allez, approche! Voilà! Aïe 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 aïe. Et merde.
Ah non. Non. Ah c'était chaud, mince. Il y avait l'autre qui... Ils m'ont entouré. J'aurais peut-être dû partir. Je savais pas ce que c'était comme créature. Putain, bon, j'ai testé. Dommage. Dommage pour moi. C'est vrai que j'ai pas utilisé le sort de protection aussi, putain. Ça c'est très... Il faut que j'utilise plus souvent. Il faut que je prenne l'habitude de le prendre plus souvent. Aïe, ça faisait mal. C'est pas juste. Alors. Bon bah on reprend là où on en était, malheureusement. C'est vrai qu'il faut que je pense plus souvent à utiliser Quen. C'est quand même Quen qui est plus pratique qu'autre chose. C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'équipement non plus, donc je pense que c'est un petit peu à voir. Bon, je vais pas reprendre les trucs, on le fera plus tard. Je vais essayer de monter un peu de level. On va continuer la mission, hein, je pense. Ça m'embête, j'étais nul sur ce coup. Ça aurait pu être intéressant, j'avoue. Écartez-vous. Vous ne voyez pas que l'aumônier prie. Il y a aussi une quête. Putain, mais il y a des pendus partout ici, c'est incroyable. Énormément de créatures, hein. On peut le sentir. Il est pendu partout, mais ils ont fait quoi ces gens? Oh, c'est bizarre ici. Au galop, Ablette. Ralentissons l'armure. Mourir, tu m'entends? Si jamais ils entendent gémir, ils nous tueront pour sûr. Et ils l'auront de toute façon. C'est comme ça. J'aime mieux la tuer moi-même pour être sur le corps de la vie. Aubergiste, bonjour. Je cherche un homme, un certain Hendrik. Vous lui voulez quoi? Je veux lui parler. De quoi? Donnez-moi une bouteille, quelque chose de fort. Vous devez partir. Je vous ouvre la porte de derrière. Les visiteurs? Qui sont-ils? Tavernier, de la vodka. C'est qui, lui? Un grand guerrier, qu'on dirait, avec deux épées. Hé, hey, Blanchette, à quoi ça te sert d'avoir deux épées? Eh hey, les gars, peut-être bien qu'il planque deux queues dans son froc aussi. T'es sourd ou quoi? Dis-moi qui t'es, sinon je m'en vais te faire chanter une drôle de chanson. Je suis sorceleur. Pour ce qui est de mes deux épées, c'est très simple. J'en ai une pour les monstres et l'autre pour les humains. Je n'ai qu'une seule queue, cela dit. À mon grand regret. Et celui de ces dames. Ne l'approchez surtout pas. Un sorceleur, c'est pire qu'un lépreux. Un jour, j'en ai vu un découper une demi-douzaine de gaillards sans ciller. Un vrai massacre. Ouais, plus le cadavre à plein nez. Si vous voulez dormir un peu, je ne peux vous proposer qu'un banc, mais il est confortable. Alors je rentre. Et là, je vois le terreux avec son gars. Plutôt mignon, le fiston, si vous voyez ce que je veux dire. Je parie que le bouseux avec moi. C'est le fils de... Merci de ne pas avoir provoqué ces ordures. En règle générale, j'évite de me mêler des affaires des autres. Vous voulez passer la nuit ici?
Non. Je cherche Hendrik. Il habite à Bourlalande. Je ne vois pas du tout où c'est. C'est de l'autre côté de la colline. J'ai vu une lueur étrange dans cette direction ce matin. Sans doute un raid des Impériaux. Vous pouvez me dire autre chose sur Hendrik? C'est un drôle d'oiseau. Personne ne sait d'où il vient. Il a débarqué sans crier gare et s'est trouvé une petite veuve pour lui faire sa soupe. Les hommes du baron n'aiment pas les étrangers. Ouais, c'est rien de le dire. Chaque fois qu'un étranger pointe le bout de son nez, le baron s'arrange pour disparaître quelque temps. Merci, Tavernier. Très sympathique. Bon, on a au moins trouvé quelques infos. Merde, là. Laissez-moi partir. On a trouvé des petits trucs sympas, donc déjà quelques informations. On va aller voir si on peut trouver ce fameux Hendrik. Il y a peut-être vraiment des trucs. Je suis désolé. Je vais dessus parce que voilà. Je vais quand même lui prendre. Oh, on est quand même en moins. Oui, oui. Je vais garder ça. Celle-là, je vais la garder. Alors, on va refaire. Oups. Carte. Ok. De toute façon, voilà, il y a les zones intéressantes qu'il va falloir fouiller, je pense. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs avec les quêtes. Hein. Oh là là, matez-moi ça, tous les points d'interrogation. Mais on va jamais y arriver. Oh, il y a plein de bateaux aussi. Oh là là. Mais ce monde ouvert de dingue qu'ils nous ont fait, c'est ouf. Faut vous calmer les gens. Allez, ma petite tablette. Allez, hop. Tu te moques de moi. Ouais. Pas vraiment grand chose à faire là. On est reparti. Ah, dada, sur mon bidet. Putain, c'est pas ça. Non, mais il faut savoir, c'était le chemin en bas ou en haut là. Il se fout de ma gueule. Lui. J'étais bien parti et pourtant. Il y a un vent de malade sur ce truc. Allez hop. Se renverser les gens, ça aurait été mieux. Ouah, le temps il est dégueulasse. Oups. Qu'est-ce que vous battez? C'est des brigands ça? Moins vite. C'est des bandits. Erreur fatale. Oh. Merde. Ils font mal. Merde, si je vais dans la mêlée, c'est pas bon. Ouh. Ils font très mal. Hein. Non, c'est pas ça que je voulais. Oh non! Ouais, c'est mauvais là. Je vais fuir plutôt, ça sera mieux. Ah, j'ai pas encore la technique. Hein. J'ai vraiment pas encore la technique pour les battre. C'est vraiment chiant en fait. Il va me falloir plus de technique, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que là, qu'est-ce que j'ai? J'ai Axi, Igni. Souffle télékinétique. C'est vrai qu'il me manque. Non. Voilà. Du nerf, Ablette. Il faut que je me protège, faut changer. C'est un peu chaud, hein, quand même. J'ai essayé de me battre, mais j'y arrive pas. C'est bien, bien dur.
L'air a quelque chose d'étrange. Comme si on se trouvait dans une gare profonde par forte chaleur. Et cette brume. Wow, Hamlet. Super. Le monde regorge de nanana, c'est intéressant. Ouais, j'ai plus d'endu. Ah, ok. Oh là là, c'était chaud quand même. Partez, laissez-moi tranquille. Qui que vous soyez, fichez le camp. Calmez-vous, c'est fini. Oui, tout est fini, perdu à jamais, gravé dans ma mémoire pour le restant de mes jours. Je cherche un homme du nom d'Hendrick. On m'a dit qu'il habitait ici. Oui, il habitait ici. Et c'est ici qu'il est mort. J'entends encore ses cris. J'ignorais qu'un homme pouvait crier comme ça. Souffrir à ce point. Racontez-moi ce qui s'est passé, en détail. Ils les ont pris. Ils les ont tous pris. La chasse sauvage, je suis sûr. La nuit commençait à tomber. D'habitude, on entend les crapauds à cette heure. Mais pas ce soir-là. J'ignore ce qui s'est passé. Mais j'ai entendu Hendrick hurler de terreur, puis supplier. À la fin, il n'arrivait plus qu'à gémir. Commentaire qui tue. La terreur est vite repartie, mais le village a gelé comme en plein cœur de l'hiver. Vous étiez dans cette chaumine ? Non, et ne comptez pas sur moi pour y mettre les pieds. Au revoir. Que les dieux vous protègent. Ils n'ont pas pu faire pour grand-chose pour lui, ce pauvre malheureux. Allez, on va aller voir ce qui s'est passé à l'intérieur, mais je pense qu'on va découvrir des trucs vraiment dégueulasses. Oh merde. Ils l'ont torturé. Ils ont peut-être négligé un détail. Voyons ses poches. Le pantalon est rigide,
Comme si on l'avait mis à sécher en plein hiver. Je vais regarder dans son gilet, on ne sait jamais. Il est froid comme la mort. Il n'y a rien ici. Ça m'aurait étonné. Les bottes. Hein. Voyons un peu ses bottes. Du sang coagulé. Une clé cachée dans sa botte. Il ne reste plus qu'à trouver sa serrure. Pas trop loin, j'espère. À mon avis, avec l'essence de sorceleur, on va pas avoir trop de mal. Ça, on s'en fiche, c'est qu'une tasse. Je sens un courant d'air. Il doit y avoir une pièce là-dessous. Un peu de ménage s'impose. Génial. Wow. Tamara sera une fille du baron sanglant. Enlèvement supposé. Une généreuse récompense. Celui qui trouvera la ramènera. Pourquoi pas? Oh, pas mal de choses ici. Qu'est-ce qu'on a là dans le coin? C'est quoi ça? Poudre alchimique. On va la prendre. Objet de valeur à l'abandon. A-t-il perdu l'esprit? Peut-être un truc, non? Il y a quelque chose quelque part. C'est obligé. J'entends des trucs là. Il n'y a rien de spécial, mais elle. Ça me dit rien non plus. Voilà, ça. C'est sur le coup, je croyais que c'était un pour l'éteindre, moi. Intéressant. Effectivement pas. Qu'est-ce qu'on a là? Un registre. Paiement pour un sac de grains. Montant dû pour une livraison de charbon. Hendrik se faisait passer pour un marchand. Tiens, qu'est-ce que c'est? Des notes cachées dans le registre. Plutôt rusées. Voilà des titres intéressants. Avis de recherche, le sujet a été aperçu à Skellige et Novigrad. Apparence inchangée, cheveux cendrés, cicatrices au visage. Évite le contact avec les autres. Cochon ivre. Le soi-disant baron a hébergé le sujet dans son château, ou fortin occupé illégalement, devrais-je dire. Raison inconnue. Interrogez le baron à Perchefreux. Qu'est-ce que ça? Accrochage avec une sorcière. Le sujet a atterri dans les marais et y a croisé une sorcière. Résultat conflit. Raison inconnue. Trouvez la sorcière. Parlez aux paysans du village de Aubreuil. Prudence de rigueur. Quelqu'un m'observe. J'ignore qui et pourquoi. J'ai remarqué des signes troublants. Le chien a filé. L'eau des seaux a gelé. Étrange lueur dans le ciel. Un mauvais présage d'après les paysans. Ils ont appris qu'Hendrik recherchait Ciri. D'où la torture. Et comment ils ont fait pour apprendre? J'arrive trop tard. Le baron et une sorcière. Voilà mes seules pistes. Merde. Oui, ça ne va pas être évident. Je dois l'admettre. Alors. Et vous deux là-bas, vous avez fini? Nouvelle quête, chasse à la sorcière. Ah, super, j'ai que ça à faire. Alors, chasse à la sorcière, voyons voir. Qu'est-ce que je sens pas, ces trucs-là? Là, je pense que c'est pour aller voir le baron. Le baron sanglant, ouais.
Et la chasse à la sorcière, où est-ce qu'elle peut être la sorcière à votre avis? Oh super, ouais, une grande ville. Ça, c'était mon petit bébé. Où est-ce qu'elle peut être cette sorcière? Un petit peu trop loin ou pas du tout dans le coin? La sorcière, ça va être plus chaud à la trouver, je crois. Vraiment plus chaud. Bon, on va pas s'attarder. On s'occupera juste de ça pour l'instant. Donc là, malheureusement, j'ai pas le choix. Il va falloir que j'y aille à cheval. Peut-être parce qu'il y a l'air d'y avoir pas mal de choses. Eau de Vinaine. Tiens non. Personne ici, le village a complètement été abandonné ou quoi? Râteau brisé, on s'en fout. Eh vous deux, ça suffit la bagarre. Alors... Désolé, je suis en train de regarder mes chiens, ils sont en train de se chercher les noises, en train de se bagarrer tous les deux, je sais pas pour quelle raison. Allons-y. On va voir le bar. Allez. C'est vrai que j'ai pas ramassé ce qui restait des chiens, enfin des loups. C'est pas trop grave. Il faut que je pense aussi à faire le reste. Hein. À vraiment faire le reste. Chercher un petit peu les traces des gens. Faire les contrats, quelques contrats. Ça peut être très intéressant aussi. Alors, je pense pas qu'on en ait pour longtemps. Je vois déjà le château d'ici. Donc l'endurance du cheval est plutôt correcte. C'est convenable. Wow. Les déserteurs. Si vous voulez vous battre, pas de problème. Oh les enfoirés. Tu vas regretter. Ah ouais, non, je peux pas là. Ils ont des arcs. Et son niveau 7, c'est un petit peu tendu. Hein. Ouais, c'est trop chaud. On va pas rester là. C'est tendu. Ouf. Des bonnes flèches aussi. Hein. Aïe aïe aïe. Normalement, avec 3 flèches dans le corps, le gars il est plus trop là. Et là, visiblement, on les a bien pris. Alors, voyons voir. On en est où? Ok, bon, on y va. Allez, on continue. Donc là, Baron Sanglant, je sais pas où est-ce qu'on va aller le récupérer. Où on va aller voir ce type. Ça va être un petit peu tendu. Seulement mon mari arrive sous les toits. Alors, chevaux appel. Pour que votre cheval vienne à vous, appuyez deux fois sur. Ah, je peux le ramener ici, bien. Mon mari a trouvé hier. Et à pire, hier, il a rapporté un saut d'épluche. Nos hommes étaient en colère. Les chasseurs. Apparemment pas. Nourriture des cochons. Marchand. Volet de cidre. Allez, cahier. J'ai pas grand chose à vous vendre, mais en tout cas, il y a que du bon. Montrez-moi ce que vous avez. Montrez-moi ce que vous avez. Je vais lui vendre ces conneries, là. Hop, voilà. Qu'est-ce que je peux lui vendre encore? Ça. Ça, de toute façon, j'en ai pas besoin. Les bouquins ne prennent que de la place ici, donc il vaut mieux pas les utiliser. C'est quoi ça? Accélère le regain de vigueur. Tout ça, je vais le garder. Et qu'est-ce qu'il a me proposé, lui? De l'eau. Régénère la vitalité. Donc, ça, je peux en acheter un petit peu parce que là, ça va faire beaucoup de bien. Il faudra que je pense aussi à faire des missions. Parce que
Ça craint un peu. Voilà. Ça, je l'avais. Fabriquer les objets. C'est bon. Au revoir. Bon, ce qu'on va aller faire, on va aller parler au baron, on va finir cette, cette fameuse quête. Et au final, je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'aurai pas vraiment le temps de, d'aller plus loin. Allez, cours mon grand. Halt, qui va là? Le baron est là? Ça dépend pour qui. Un sorceleur qui veut lui parler. Et moi, je veux trousser la jolie reine Cero. J'ai déjà vu ce gars-là. T'étais à l'auberge de la Croisée des Chemins, un peu plus tôt. T'étais pas censé reprendre ta route sans faire de vagues. Elle m'a conduit ici. Il faut que je parle au baron. De quoi ? Un sujet important et confidentiel. Je vois. Lodrin, laisse-le entrer. S'il fait du grabuge, ma foi, on a le nombre pour nous. Ouvrez la porte. Sergent. Ardan, un sorceleur qui demande à voir le baron. Je veux pas de vagues, c'est bien compris? C'est bien compris. Faites bien que non. Le garde vous a appelé sergent. De l'armée de Téméria? Pas vos oignons, mon gars. Déserteur? Il n'y a plus d'armée. Alors que faites-vous tous ici? Quand on s'est fait massacrer par les escadrons noirs, on a eu le choix entre laisser tomber et tenter de mener une vie normale. Ou résister, rallier la guérilla et défendre notre Téméria bien-aimée jusqu'à ce que la mort nous sépare. On a préféré la première solution. Sous les ordres du baron? Ouais, sous ses ordres. Ben d'accord. Une armée qui se remet aux ordres d'un baron pour foutre encore plus le bordel. Bravo pour les types. Baron. Oui, bon. Ah, plus tard pour le cimetière. Ah, les pales de Vizima, c'était quelque chose. Avec Anna, on en a connu plus d'un. Et on dansait, et on tournoyait. Un, deux, trois. Ça suffit. Peu m'importe comment vous vous y prenez. Mais il faut une livraison par semaine. Vous ne restez pas pour le thé? Non, mais je vous laisse en bonne compagnie. Coucou. Regardez-moi ça, il n'est même pas resté pour le thé. Et ça fait des grands discours sur la civilisation. Là, c'est la meilleure. Rumeurs et réalité font rarement bon ménage. Surtout à propos d'un étranger. Très juste. Je suis... Je sais qui vous êtes. Et je crois aussi connaître la raison de votre venue. Parlons à l'intérieur. Faites comme chez vous. Bon sang, où ai-je mis cette foutue vodka? Ah, la voilà. Un petit verre? Pourquoi pas? Voilà qui est parlé. Voyons. Voltest mort. Natalis disparu. Foutre Dieu. À la santé de quel témérien peut-on trinquer par les temps qui courent? À celle de ceux qui lèvent leur verre? Ça me va. Pour en revenir à nos moutons, je suis Philippe Strenger, surnommé Baron Sanglant par les fesses molles du coin. Gérald de Rive, le boucher de Blaviken pour les fesses molles. Je sais qui vous êtes, vous dis-je. À dire vrai, c'est l'unique raison pour laquelle je... Comment trouvez-vous, Vélène?
C'est charmant ici. Marais, bourbiers, tourbières, ici comme ailleurs. Exactement. Si quelqu'un venait à s'égarer par ici, il serait ardu de le retrouver. Où voulez-vous en venir ? Le deuil a beaucoup frappé dans la région. Qui une épouse, qui une fille. Cessez de tourner autour du pot. Ciri, c'est pour elle que vous êtes ici, non ? Donc, elle est venue ici. Elle s'est pointée il y a quelque temps. Épuisée, blessée. Aussi puante qu'un chien mouillé. J'ai appris par la suite qu'elle sortait du marécage. Elle a dit que des monstres des bois l'avaient attaqué avant le village. Oh. On incarne Ciri là. Vous n'avez pas accès à l'inventaire, vous ne pouvez pas utiliser de signes. Génial. C'était moins une. Je dois filer d'ici. Eh ben vous savez quoi, on va s'arrêter là. On va s'arrêter ici. Je vous embête effectivement. On reprendra avec Ciri là bien plus tard je pense, parce que voilà, ça va être un nouvel épisode du truc. On a fait quand même presque une heure de vidéo. Je pense qu'il faut qu'on aille un petit peu plus loin par la suite. Mais là, comme dit, je vous prépare des épisodes un tout petit peu plus longs, donc pour une heure grand max, voire deux heures pour les prochains. On va essayer d'aller un petit peu plus loin et de continuer sur notre lancée. Donc voilà, c'est sur cette petite note et sur cette magnifique série-là qu'on s'arrête. Je vous souhaite à tous de très bons jeux. Je vous dis à la prochaine. Ciao !